Non mais en fait, votre questionnaire sur les chauffages, madame, je m'en fous un peu. Oui. Oui, voilà, au revoir. Eh putain, ils me cassent la tête avec leur questionnaire téléphonique. Toi, t'as pas fait le questionnaire de l'Unisys Q. Hein? T'as pas lu sa règle? Non. Bon, je vais t'expliquer. En gros, Yoshina Agea, il va trouver une carte téléphonique qui va lui permettre de se retrouver dans un autre monde, le monde de Psyren. Et justement, grâce... C'est à cause de Nemesis Q qui va se retrouver là-dedans. Et dans ce monde apocalyptique, il va rencontrer des Tavos. Et les Tavos, c'est des espèces de monstres. Il doit les battre et rejoindre une autre... Il doit survivre, tu vois. Et il doit rejoindre à chaque fois une autre cabine téléphonique. Et dans ce monde-là, tu peux utiliser le Psy. Et le Psy, il se différencie en trois états. C'est-à-dire l'augmentation, la transe et le burst. Et bon, ça sera un peu plus développé dans la suite du manga. Et en fin de compte, il va se rendre compte que le monde où il est, c'est le futur du Japon. Non mais en fait, je m'en bats les couilles. Ah bon ?